Encore une Française sur le podium, mais après le bronze d'hier, c'est pour une médaille d'argent ce coup-ci. C'est en natation que ça se passe et l'heureuse élue s'appelle Coralie Balmy. Dimanche 12 août, c'est le jour du Seigneur et vous regardez le quatrième épisode de 10 minutes chrono. C'est toujours l'Universiade, on est toujours à Bangkok et depuis hier, on compte deux médailles de plus au compteur des Français. Toutes les deux en argent, la première au tir, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Et la deuxième surtout, ça se passe en natation, c'est pour Coralie Balmy. Le voyage donc vers la piscine et vers la médaille d'argent, c'est avec Arnaud Lalanne. Dans l'Aquatic Center de Bangkok, Coralie Balmy se remémore. Les entraînements interminables, les journées passées dans la flotte, tous ces efforts pour un instant, un seul, cette finale du 400 mètres de nage libre. Pas question de viser la première place, Federica Pellegrini est hors d'atteinte. L'objectif de Coralie, c'est l'argent. 400 mètres de nage, 4 allers-retours, c'est un peu ennuyeux, alors au début, les supporters se la jouent plutôt discret. Dans l'eau, Coralie plafonne en 3ème place, juste derrière l'américaine Claire Most. Alors que dans les gradins, on se chauffe, oui. À mi-parcours, l'américaine craque, les supporters donnent enfin de la voix et Coralie se hisse sur la 2ème marche du podium. Oui, je sais, c'est cliché. Le petit instant magique est fugace. Mais bon, au ralenti sur des violons, moi j'aime bien. J'étais pas du tout bien dans l'eau. Et la semaine dernière, j'avais pas fait un truc super à Paris. Donc j'appréhendais un peu, mais super bien passé. Et le soir, au Club de France... l'avoir vu se battre cet après-midi dans la piscine. Coralie a droit à une bise de Monique et un petit bilan. Au niveau de la performance, elle a donc fait 4-10-0-8, mais elle avait déjà fait un temps légèrement meilleur. Il y a un mot au championnat de France qui lui permettait d'être deuxième derrière une certaine Laure Manaudou. Et j'espère refaire une même performance comme ça demain sur le 200. Ou sinon, refaire des trompettes avec vous parce que c'est super cool ce genre de... Rien à ajouter, Coralie, c'est la grande classe. Et la bonne nouvelle côté français, c'est qu'il y a eu une autre médaille ce samedi, elle aussi en argent. Et cette médaille, elle nous vient du tir et elle a été remportée par la jeune demoiselle qui est à mes côtés aujourd'hui, Marina Sauzé. Salut Marina, merci de nous rejoindre dans 10 minutes chrono. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir Marina. Et je voudrais que tu nous racontes un petit peu alors cette belle journée, comment ça s'est passé pour toi? Eh ben très très bien justement, et je suis assez épatée parce que j'ai donc fait mon premier 25 en international, donc chose qui ne m'était encore jamais arrivée. Premier 25 en international, c'est-à-dire explique-nous un petit peu. En fait, le 25, c'est le score parfait. Donc, en international, c'est le premier que je réalise en compétition, donc je suis plutôt fière de moi. et puis donc aujourd'hui, j'ai fait donc ma meilleure performance. J'ai égalé ma meilleure performance, j'ai égalé le record de France et j'ai aussi battu le record d'Europe que j'avais égalé l'année dernière. Journée parfaite. Journée parfaite. Et alors justement, j'aimerais que tu me racontes un petit peu. Une fois que tu gagnes la médaille, ça y est, tu sais qu'elle est à toi, on te la passe autour du cou, qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Un grand soulagement. Un grand soulagement, un petit peu de fierté quand même. Et puis honnêtement, on m'aurait dit ça avant de venir, je suis pas sûre que j'aurais cru. Mais bon, ça fait plaisir et on sera pas venu pour rien. Et je suppose que c'est le genre de moment que tu as envie de revivre, pourquoi pas aux Jeux Olympiques? Bien sûr, j'espère. C'est une possibilité pour toi vraiment? C'est une possibilité. Pour l'instant, on a un quota pour 2008, c'est Delphine qui le détient. Maintenant, la route est encore longue et je suis encore jeune, donc j'ai le temps. Si c'est pas 2008, ce sera 2012. Mais bien sûr, c'est un objectif à long terme. Bon allez, maintenant j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton sport, le tir. C'est pas forcément le sport qui soit le plus grand public, le plus populaire. Et pourtant, c'est un sport olympique. Alors décris-moi un petit peu comment on arrive au tir. Comment toi, tu es arrivé à faire du tir? Je suis venue au tir un peu par hasard, faut le dire. Grâce à ma maman, qui a eu l'opportunité d'essayer ce sport-là un jour, parce qu'elle travaillait à la jeunesse et sport, et elle avait un patron très très sympa qui, à la fin de chaque année, offrait une journée, faisait découvrir un sport à toute l'équipe de Nevers en fait. Et un jour, elle a essayé le baltrap. Elle m'a dit « Oh là là, j'ai essayé quelque chose de super, je suis sûre que ça te plairait ». Donc quand elle m'a décrit la chose, je me suis dit « Ma mère est un petit peu folle dingo ».
Mais bon, je vais lui aller pour lui faire plaisir. Et en fin de compte, elle a eu raison, ça m'a plu. Et donc, je suis rentrée dans l'école de tir pour les enfants, donc avec des fusils adaptés pour les enfants. Donc, j'ai commencé à l'âge de 12 ans et petit à petit, je suis rentrée dans le chemin normal, voilà, dans le circuit, les sélections. Et puis voilà, je suis rentrée Club France et ça fait 3 ans maintenant que je suis Club France. Et aujourd'hui, tu es au port des JO. Et aujourd'hui, je suis là, voilà. Alors, explique-moi un petit peu, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être une bonne tireuse, un bon tireur? C'est de la patience, de la concentration, il y a quoi? Il y a plusieurs choses, je pense. Déjà, il y a la concentration, bien évidemment, qui joue un très grand rôle. Le calme, la sérénité que j'ai pas toujours, faut le dire. Et puis, oui, beaucoup d'attention. Savoir gérer les matchs, parce que ça peut être sur 2 jours, comme c'est le cas ici. Donc, une planche hier et 2 planches aujourd'hui, c'est pas évident à gérer. Sur un long terme comme ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile, quoi. Donc il y a un peu d'endurance quand même. Ok, après des moments pareils, une médaille d'argent aux Universiades, je suppose que le tir, t'es pas prête d'arrêter? Non, c'est pas prévu. Bon, bah écoute, Marina, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Merci. Et encore une fois, vous. Félicitations. Merci. Niveau médaille pour les Français, c'est tout et c'est déjà pas mal. Mais à côté de ça, c'était vraiment la journée des Bleus puisqu'ils ont pratiquement tout réussi. Les garçons du tennis de table, déjà, ont battu l'Ukraine par équipe 3-0. Au prochain tour, ça va être dur pour eux puisqu'ils joueront la Chine. Toujours chez les garçons, le waterpolo continue de nous surprendre et de belle manière puisqu'ils ont battu l'Espagne 12-11. Prochain match pour eux aussi, ce sera face à la Chine. Et enfin, la belle perf des filles du volley qui ont battu sans aucun souci l'Afrique du Sud 3-7-0. Allez, comme tous les jours, on continue de vous emmener à la découverte de la Thaïlande. Et aujourd'hui, Senani Atrokpo s'est intéressé à un aspect bien particulier de Bangkok. Désolé messieurs, mais le sujet de notre reportage n'est pas la bimbo asiatique, mais un thème légèrement plus spirituel, la fête la plus populaire de Thaïlande, Loy Krathong ou Lotus Flottant, en l'honneur de la déesse Ramae Kongka. Ce rituel ancestral a lieu chaque année, la nuit de pleine lune du 12e mois du calendrier lunaire. Il consiste à faire voguer des fleurs de lotus naturelles ou confectionnées à l'aide de végétaux ou papier. Elles sont généralement agrémentées de bougies, mais peuvent également contenir des présents allant de la pièce de monnaie à la mèche de cheveux. Nous allumons des bougies pour honorer la déesse des eaux. Nous implorons ses faveurs pour qu'elle exauce nos souhaits. Tu prends une feuille de lotus, je crois, tu mets la bougie dedans. Tu chantes la chanson et tu la mets dans l'eau pour attirer la chance. Et tu fais un vœu. Ce rite vise également à se voir accorder une réincarnation plus gratifiante lors de sa prochaine vie. Je n'y crois pas forcément, c'est juste un symbole. Mais je trouve ça plein de poésie. Loy Krathong se décline maintenant en festival à travers tout le pays. Suivant la région, il s'accompagne de danses, chants et autres feux d'artifice. Et n'oubliez pas, si la bougie reste allumée jusqu'à ce que l'embarcation soit hors de vue, votre souhait se réalisera. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce qui se passe à Bangkok en ce moment. Donc nous, on va en rester là pour ce soir. Comme on a signé pour 10 jours, on vient bien sûr demain. Ce soir, vous inquiétez pas de proverbe sur les Marcelles, donc je vais juste vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.